Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans un journal spécial Sila sous Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité à concernant pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry qui a quitté le pays dimanche qui saute passé là pour le rendre dans le 46e sommet chef d'État CARICOM qui a fait dans le pays Guyane, précisément dans la capitale pays Sila qui c'est George Town. Eh bien, Premier ministre Ariel Henry confirmé avec autorité CARICOM yo l'a gagné pour organiser élection 31 août 2025 pour capable permettre un président élu remplacer dans tête l'état pays d'Haïti dans année 2026. Ça qui soulevé gros colère bon côté population haïtienne nan, depuis matin tension yo vraiment ap monté dans divers coins dans pays d'Haïti côté déclaration ça t'a levé plim sous dos plusieurs leaders partis politiques pa Mio, Moïse Jean-Charles lui-même qui t'a prend et position là pour yo même yo mandé blanc américain à communauté internationale en général pour la gamer Premier ministre Ariel Henry selon Moïse Jean-Charles c'est yo Kimbel et au même yo pral continuer manifester et ancien et candidat à la présidence là lui mandé pour craser pays mesdames et messieurs dans l'idée pour blanc capable tirer la raison pour yo laguer Ariel parce que selon Moïse Jean-Charles Ariel Henry c'est véritable problème qui gagne là dans ça qui gagne pour acte déclaration. Et bien ça Miami Herald révélé que Premier ministre prend disposition pour organiser élection 31 août là et mais gagne disposition tout cap prendre dans communauté internationale là pardon pour aider Ariel Henry organiser élection gagne Premier ministre Bahamien Philippe Davis qui prend disposition lui-même, lui fait qu'on est libre à supporter Ariel Henry qui c'est Premier ministre pays d'Haïti dans toute démarche là gagné pour le rentrer prendre gagné tout OEA CARICOM avec Nations Unies, États-Unis, Canada cap gagné pour yo bail appui dans ça qui gagné pour avec planification pour faire élection 31 août dans année 2025 cap vini là situation ça mesdames et messieurs faut que nous dire gagné en pile tension Jean Soudia dans la report au prince gagné gros courri côté chef gang et Jimmy Cherizier alias Barbecue lui-même revendiqué mouvement ça côté neg Axamio yo même yo te foulé béton jodia capitale pays d'Haïti levé en bas gros tension côté nèg exam nan tout coin t'a essayé si men la troublaye ça qui la cause en pile moun victime gen l'hôpital général qui déjà recevoir pour pipiti 15 cas côté yo blessé par balle et gagnent et divers cas décès tout qui enregistré gagnent sous commissariat portail Léogane nan qui arrivé incendié par et monsieur Arméo qui t'a pral décidé mettre pied à terre ces bandits 5 secondes en dans village dédié qui fait Zaxila sous commissariat portail Léogane côté yo rentré yo mettait du fait dans plusieurs machines qui étaient sous la croix et police nationale qui pas présent mon Magloire Ambraze mon Avenir Christophe mon Riel Alette tout monde ça yo paniqué avec ça qui a passé dans la rue Port-au-Prince mesdames et messieurs en tout cas une situation qui pas quitté et bien vraiment diverses couches dans société a réagi pour demander Premier ministre Ariel Henry tirer la raison et bien pendant ministre lui-même l'ité Guyane Jean l'été annoncé l'étape gain pour le rendre dans pays Kenya pour te signer un protocole accord Jean Cour suprême pays Kenya t'est exigé pour te gain un accord binational ou encore bilatéral entre Haïti avec Kenya pour déploiement force multinationale qui vient supporter sécurité dans pays d'Haïti. Eh bien docteur Ariel Henry qui trouvait le Nairobi côté vraiment là l'a signé un protocole accord avec autorité et kenyano et gagné plusieurs tête à tête qui prévoit pour fête là côté Premier ministre lui-même l'a gagné pour le prendre la parole et montrer bien fait avec autorité kenyano pour que force ça arrive dans pays d'Haïti mesdames et messieurs une situation n'a suivre de près pour nous garder qui ça qui va passer là-dedans dans international là gagné président américain
américain Joe Biden ak ancien locataire Maison Blanche nan, eh bien Donald Trump qui t'a pral visité et frontière et États-Unis avec Mexique là côté vraiment dernier temps ça yo gen yon vague un vague migrant qui a rentré sous territoire américain. Et bien dans ce sens, président Joe Biden et Donald Trump, qui est ancien président américain, ont décidé de rentrer sous frontière pour visiter, mesdames et messieurs, l'autre point international, là, Vladimir Poutine, lui-même qui est président pays la Russie, pas écarté possibilité pour utiliser des armes nucléaires si toutefois l'Occident a envoyé et force armée dans le pays Ukraine. Eh bien, leader Poutine, leader alors la Russie, il fait qu'on est, il prend et disposition là depuis toutefois, on dit toutefois et pays occidentaux après déclaration la France t'a fin fait pour dire a supporter Ukraine et toute gens yo capable côté te prévoir pour envoyer soldats by Volodymyr Zelensky pour supporter le face et pays la Russie qui ouvrit une guerre sans merci avec pays ici là depuis un bon bout de temps et mais occident qui pas frapper la Russie après sanction les États-Unis sont prend compte et bien et la Russie là mais gagne là occident qui envisageait pour ta voyer troupes yo dans pays Ukraine. Vladimir Poutine qui dit li disposé pour utiliser zam nucléaires si toutefois militaire ta foulé sol et bien Ukraine nan li même l'a disposé tout pour le faire Jean yo vle là. Point ça yo avec un pilote nous t'ai développé n'a invité rete là dans la voie de l'Amérique pour joindre plus de détails sur ça yo ak un pilote point encore. Et content André Lacaille pour le présenter au programme ça dans langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info et jeudi à c'est jeudi 29 février 2024 quelques grand point cap dominé actualité. Actualité à concernant pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry annoncé dans Georgetown, Guyana, organisation élection pour 31 août 2025. Nous va gagner réaction qui sortit dans Port-au-Prince. C'est tout bloc, c'est tout gouvernement qui prend sous responsabilité nous mouvement ça qu'a fait là. Toujours concernant pays d'Haïti, Jimmy Cherizier alias Barbecue, leader G9 en famille et allié main et tout annoncé un mouvement révolutionnaire dans une conférence pour la presse dans l'autre groupe Améo. Dans international, visite président Joe Biden à ancien président républicain Donald Trump sous frontière États-Unis partagée avec pays Mexique. Toujours dans l'international, la président russe Vladimir Poutine menacé pour utiliser des armes nucléaires si l'Occident voie soldats en Ukraine. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre accord nous pral développer pour aujourd'hui. Dans rendez-vous info, nous pral d'abord dans le pays d'Haïti, côté que te gon paquet de tensions dans la capitale la Port-au-Prince, gan pile coup de qui tire, gan pile l'école qui oblige la guerre timounio et gan blessé tout. Nous pral rejoindre un correspondant nous dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Yves, et gan blessé, gan institution qui touchait même. Pour ça, Jacqueline, effectivement, dans le moment où on a parlé là, selon un bilan partiel qui dresse, bon côté responsable de l'hôpital général, il y a pour petit 15 personnes qui recevront et qui ont pris soin. C'est des personnes qui prennent balle dans plusieurs endroits, dans le corps, dans la tête, dans la bouche, et à la suite de mouvements qui enclenchent Gambonnet le matin, dans plusieurs endroits, dans la région métropolitaine Port-au-Prince, au champ de masse, et dans la zone en bas la ville, dans le centre-ville, dans l'entourage Palais National, et dans Plein-Nan, dans Delma. Donc, c'est un Port-au-Prince qui l'avait surchauffé. Donc, plusieurs institutions sont touchées par le phénomène ça. Et parmi eux, faculté agronomie, Bandio, ils sont entrés en Plein-Nan. Yo et prend et tout ça au téjoin en dedans comme matériel institution gagnent et sous commissariat portailé au Ghana bandi attaqué et puis yo mettez du feu donc sans compter académie police nationale là qui sont frère. Oui Yves Manuel pendant ce temps là demandé pour régia pour le capable jouer et biwol côté que eh ben yo capable ouais eh ben la police et qui a passé pour contrôler la situation, si moun kap kouri l'école nous gen image sa yo et pour yo jouer pour nous, mais t'as semblé tout que gagné vol qui annulé dans Port-au-Prince.
Justement, et Jacqueline, la situation ça par sa conséquence sur l'aéroport international de Saint-Louverture, puisque Gambonais matin, il y a une attaque et vous avez boucanté dans le niveau Clercine. Nous connaissons Clercine, c'est voisinage aéroport international de Saint-Louverture. Et bien, à Ogar, Guimala, il est atteint par des projectiles, il y a un vitio qui touché et il y a un policier qui était dans les parages qui blessé. Et sous piste aéroport international de Saint-Louverture, bon, petit avion qui est fait atterrir qui atteint pas un projectile, donc Dieu soit loué, li pa fè et victime. Donc dans ce sens-là, il gagne volio international depuis Port-au-Prince dans l'aéroport qui annulé à raison de situation ça. Il y a un Sunrise qui campe volio jusqu'à nouvel ordre et pour capable et pas mettre vie passager en danger. Et dans le moment où on a parlé là, qui j'ai tension, et est-ce que tension a toujours été même genre et Port-au-Prince, est-ce que la police nationale a été tapée pour contrôler la situation? Qui j'en, est-ce que situation son contrôle qui partagé entre gangyo avec et la police? Bon, nous sommes capables de dire que la police a tenté, ouais, qui sont capables de prendre une situation, notamment dans l'institution publique, dans l'aéroport, il y a plusieurs unités qui mobilisent pour capable garantir la sécurité de l'institution. Ça, nous connaissons frontières. Et puis, dans la zone en bas de la ville, il y a des policiers qui mobilisent, mais les bandits n'ont pas baissé les bras et ils ont toujours absenté coup d'âme. Dans le moment où on a parlé là, dans la zone d'Elma 2 qui est sous direction barbecue et zone Cité Soleil, c'est un pile cartouche capturé sans porter en plein nom. Il y a un pile tir sporadique et qui a fait jusqu'à présent. Dans le moment où on a parlé là. Merci Yves Manuel. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui t'a banné une mise à jour sur la situation tension qui régnait dans la capitale là depuis matin. Et nous pouvons avoir un bilan, nous pouvons avoir un souci dans nos bilans, mais il y a plusieurs monde qui sont blessés. Une cinquantaine, d'après sa correspondant nous, Massia Deauville, qui lui-même est allé dans l'hôpital général, hôpital de l'Université d'État d'Haïti, qui lui-même parlait avec les victimes et avec les parents victimes et en alloué. Et dialogue ça. Il prend balle là, dans le ventre, dans le pied, sous le pied. Et puis tout le prend sous chouchouni. Il prend une dans le cuisse. Plus que 5 ou 6 balles. Il a 46 ans. Comment le Madame Yvose Marcellis. Est-ce qu'il a déjà joué un soin là? Il prend premier soin déjà. Il prend balle là dans la rue 107, à côté de Lydie Bois. Mon balle là, doit là, après me prendre. Dégoûté seulement. Pendant que je suis en moto, je vais courir. Et où tu m'as vu à balle là? Malgré ça, je suis dans l'hôpital. Sans frontières, je n'ai pas fonctionné. Et puis là, je suis. Qui est-ce que tu as vu à balle là? Je suis en balle là. Tu as accompagné un malade là? Oui. Qui est-ce que tu as vu? Balle là pour le bord gauche et sorti bord droit. Expliquez-nous dans quelle zone tu as vu à balle là? Il était en l'air, comme si l'absorption en l'air, quand on a pris vert, l'abdescend. Pendant l'abdescend, il y a une porte en soutiré, et puis pendant l'abdescend, il y a un groupe pour le faire back, et puis dans le faire back, là, on recevra la balle là. Jeudi à même? Jeudi à même. Le docteur qui t'a battu le soin? Oui. Donc voilà, c'était correspondant de Port-au-Prince, Massia Deauville, qui est allé dans l'hôpital général, quand elle a dit que et plus passé une quinzaine de blessés, monde qui recevait balles. Donc il a parlé avec monde qui blessé et par monde qui blessé. Mais il y a tout, leader G9 là, et famille et alliés, main tout. Et ancien policier Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui lui-même a en conférence de presse, il dit que c'est dans tout groupe armé. Et il a dit gang armé, il dit groupe armé, que le bail conférence de presse là pour dire que il lançait un mouvement révolutionnaire et il dit que le groupe ça yo prend engagement tout pour tout ça qui a passé dans la capitale là jodi a. Entendez un extrait de conférence pour la presse. Parfois les leaders communautaires ou bien les chefs de filio en les gros mouvements qu'a fait qu'on bat dans la rue hein. Parfois qu'on gagne on tient perfection qu'on gagne un soldat Jean Rilé là qu'a choisi faire bagaille pâle. Jodian c'est autre chose. C'est tout leader communautaire, c'est tout bloc, c'est tout gouvernement qui prend sous responsabilité nous mouvement ça qu'a fait là. Et peut-être ça demande des peuples nous app dans l'arrière, les nous nèg azami n'pas besoin courir. Zamio jodian a viré sous frère ennemi nous. Jodian zam n'a pas pour moun qui dans quartier populaire. Jodian zam n'a pas pour moun si marchand dans bas la ville là. Jodian n'a déchouqué Ariel
n'a déchouqué politicien senti yo après ça pour nous passer prend oligarque corrompu yo et puis pour nous aller vers un autre Haïti, un Haïti réel, un Haïti qui gagne travail, un Haïti qui gagne manger, un Haïti côté que nous toutes nous fiers pour nous dire que nous c'est haïtien. C'est pas la première fois à lancer modèle déclaration ça. Nous rappeler une première fois qui parlait de révolution et je dis encore retourner avec presque même parole là. Qui garantit que population qui même est capable de faire nous pour une fois pour toutes croire que ça n'a dit yo là gagne vérité là dedans. Et n'a goumé contre un système qui est extrêmement puissant. Et pas contre Ariel Henry seulement, n'a pas contre un système qui gagne pile l'argent, qui gagne capacité pour le payer moun sur les réseaux sociaux pour faire lobby pour détruire nous. Un système qui gagne payer les médias traditionnels au COB pour empêcher nous parler et que pour détruire nous. Un système qui gagne assez l'argent pour diviser nous entre nous. À chaque fois que j'annonce la révolution, j'en dis, à chaque fois que je fais une déclaration, ça me dit nous allons mettre tête nous ensemble, gouvernement Ariel Henry, ou bien un petit groupe dans l'oligarchie, toujours jouer en façon pour investir dans le quartier populaire pour faire nous goumer entre nous. Je dis, je ne sais pas si c'est conscience qui prend. À chaque fois que j'annonce le mode bataille, c'est parce que l'autre groupe armé nous prend contact, nous chita, nous parler, nous discuter, et puis nous dit, tant que je ne suis pas venu pour propre tête, je viens dans tout groupe armé. C'est tout groupe armé qui m'a dit pour me faire conférence de presse pour nous annoncer le peuple, les nous ne sommes pas courus, puis nous peur. Et il y a une série de bagages qui sont faites. L'enfin jeté Ariel Henry, l'enfin capoté système ça nous pral arranger pour mode bagaille ça ou pas répéter dans société. Nous connaissons plusieurs zones qui gagne groupe civil armé là dans nous combien zones qui dans mouvement. José n'a parlé dans notre tout groupe armé. Toute zone net tout côté nous qu'on a dit qui gagne zam yo. N'a parlé dans notre tout groupe armé ça yo et 11 un groupe armé qui qu'on a affronté à un autre groupe armé. Moi c'est José là nous mettre ça au de côté et que n'a goumé con système là avec Ariel Henry après n'a chita pour discuter différence sur terrain entre nous. Mais les batailles ça on parle des groupes armés ça au babé nous connaissons même gien bagarre toujours contre comme qui. Donc c'était Jimmy Cherizier alias Barbecue qui lui-même t'a rencontré avec la presse et il dit que il prend responsabilité pour tout ça qui a passé aujourd'hui dans la capitale là et c'est vrai selon sa correspondant nous Yves Manuel sot fait nous connaît ben gan pile coup de zame qui tiré gan pile institution publique qui est attaqué et gain plusieurs vols tout qui vol domestique et vol cap sorti aux États-Unis ou bien cap aller dans direction États-Unis qui campait après que aéroport Toussaint Louverture là te et recevoir en pile coup de balle. Et puis dans le domaine violence là tout gain coordinateur humanitaire Nations Unies pour Haïti à madame Ulrika Richardson, il déclarait que mois janvier 2024 là, c'est moi qui pi violent dans dernière année dans pays a et il mandé plus l'argent pour financement projet humanitaire dans pays d'Haïti. Valérie Saint-Louis depuis New York. Dans une intervention par vidéo appel devant la presse depuis Port-au-Prince sous situation humanitaire en Haïti hier jeudi 28 février, coordonnateur humanitaire pour Haïti, madame Ulrika Richardson, t'a déclaré que mois janvier 2024 là, c'est moi qui était plus violent dans deux dernières années qui sont passées là dans pays. Since we last spoke last year, we have seen the situation go from just really bad to even worse. Depuis dernière fois nous t'ai parlé l'année passée, nous t'ai une situation sorti réellement très mal pour venir pire mal toujours. Et puis nous ouais, genre violence là a escaladé dans pays, particulièrement dans capitale là. Port-au-Prince affecté en pile par violence gang armée. Gang violence, impact of the violence means that impact violence là veut dire que moun yo a subi violation très brutale et très grave sous doigt moun yo. Il était subi forme violence sexuelle très brutale qui gagne la donne viol collectif. Il était ajouté que yo était ouais une augmentation de 50% dans actes violence sexuelle yo en 2022 et 2023. Coordonnateur humanitaire pour Haïti à madame Ulrika Richardson te dit que gagne en total 5.5 millions haïtiens qui besoin assistance humanitaire et 314 000 moun déplacés qui étaient zone côté autorité à cause actes violence gang yo. Un chiffre qui roule en pile. More or less 5.5 million Haitians are in need of humanitarian assistance. À peu près 5 millions Haïtiens besoin d'assistance humanitaire. Et ça très important si nous considérons que le pays a gagné entre 10 à 11 ou soit 12 millions de monde en termes de population. Et nous connaissons que dans parmi les gens, il y a 4.4 millions de monde qui c'est environ 44% de la population qui actuellement fait face à insécurité alimentaire grave. Et puis nous connaissons tous 45% Haïtiens accès à de l'eau potable, de l'eau propre pour yo boire. En parlant de lancement plan réponse humanitaire pour Haïti pour année ça, il mentionnait que dans date 27 février, Nations Unies a lancé un appel pour joindre 674 millions de dollars pour faire projet humanitaire dans le pays.
a financial envelope of $674 million. Ça c'est un appel pour augmenter solidarité et Haïti besoin li. L'a traversé un moment qui plus critique dans l'histoire récente li. Ulrika Richardson te dit que financement humanitaire a diminué par rapport à l'année passée et en réponse à une question qui a posé, il te dit the level of violence that people are exposed to is inhuman. Niveau violence moun yo exposé à inhumain, li pa ka continuer comme ça. Sou ta mande moun ki nan la ri yo si yo besoin assistance pour faire face à violence gang yo, yo tap di oui. Coordonnateur humanité pour Haïti à madame Ulrika Richardson, te fini pour dire que bay assistance pa yon solution. C'est une action qui nécessaire qu'on y a pour sauver la vie, diminuer souffrance et puis tout augmenter protection ak bay service à moun ki affecté yo. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valerio. L'autre point concernant le pays d'Haïti, il y a un premier ministre Ariel Henry qui trouve dans Nairobi, dans le pays Kenya, côté que il déjà rencontré avec un président Kenya, William Ruto, que nous capables là. Pendant la visite ça, il pourrait consolider relation coopération entre Haïti avec Kenya dans le domaine sécurité. N'a pas rappelé que Kenya, c'est lui qui pourrait prendre tête yon mission multinationale pour sécurité dans le pays d'Haïti. Yo pral gen des réunions de travail ensemble et yo pral gen éventuellement pour signer et accord dans occasion ça. Donc nous capable pour le ministre Ariel Henry qui lui-même trouvé dans Nairobi côté que li déjà rencontré avec président William Ruto que nous capable sous écran nous. Et puis faut dire que premier ministre Ariel Henry rivé dans Nairobi après que il t'ait fini participer dans 46e sommet et CARICOM nan Guyana et c'est là tout que le fait annonce que d'ici ou bien au plus tard et 31 août 2025 a gain élection dans pays d'Haïti. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Déclaration Premier ministre en fait dans cadre clôti 46e sommet chef l'État et gouvernement pays CARICOM yo côté li annoncé organisation élection au plus tard 31 août 2025 là provoqué en pile réaction dans classe politique haïtienne. Yon nan responsable plateforme politique résistance démocratique ancien ministre Jonas Kofi considéré annonce Premier ministre là comme une annonce pour détourner attention. C'est KEP qui bail date pour élection organisée en dans pays an, selon monsieur Kofi qui estimé faut que chef gouvernement ta alloué yon médecin. Déclaration ça, nous pas bay trop importance, nous même nan red, et parce que c'est une déclaration que nous wè son moun qui malade, et c'est un moun qui t'a supposé al soigner l'hôpital. Leader parti Union Clarence Renoir, rete kwè date 31 août lan, pas respecté pour plusieurs raisons. M'a parié avec vous, et m'a dit, m'a conscience pour m'dil, et date ça pas respecté. Parce que pour deux raisons. Premier ministre par le CEP, deuxièmement, moun ki pa li Ariel Henry ki pa jam respecte parole li. Donc pas rien pour faire quoi pour respecter ça. Alors que pour porte-parole organisation PEP Capilité, c'est avec un sentiment regret li apprendre docteur Ariel Henry prend un tel engagement à l'échelle internationale. Daniel Siriac souligné, pape ka gen élection dans pays sans un consensus politique. C'est vraiment regrettable, désolant. Yon annonce comme ça, yon information comme ça, c'est et à l'échelle internationale, engagement, ça l'y prend. Donc, nous pas croire que c'est avec une baguette magique qu'il va le faire, parce que ça doit sortir de l'entente politique inévitablement. C'est Premier ministre Bahamaslan, Philippe Davis, qui déclarait Premier ministre Ariel Henry prend engagement pour organiser élection d'ici 31 août 2025 pendant discours clôti conférence sommet 4 jours communauté Caraïbes CARICOM dans Georgetown. Premier ministre Bahamaslan déclaré gon équipe évaluation CARICOM a dirigé ak Nations Unies sans compter soutien Canada États-Unis ak organisation État américain k'ap réuni d'ici 31 mars pour soutenir planification ak GFO institution compétente yo dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel, ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien a été branché.
État-nation. Président Joe Biden va présenter bilan politique by nation dans un discours devant deux chambres congrès réunies et devant nation américaine. Jour cap jeudi 7 mars 2024 ça. VOA Creole à sous place dans Washington DC pour porter baou live en direct. Discours président américain en créole. Journaliste VOA Creole ensemble avec des invités, analystes politiques, va permettre ou vivre événement politique ça. State of the Union. État-nation. Branché sous VOA Creole à partir de 8h30 na sous toute plateforme VOA Creole. Branché VOA Creole. Et oui, non seulement gain actualité ça mais année 2024 là c'est une année électorale ici aux États-Unis. Et puis jodi a gain président démocrate là et Joe Biden qui lui-même et avec ancien président républicain Donald Trump, nous capable être ancien président Donald Trump qui trouvait le sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, deux et personnalité ça tous les deux fait voyage là jodi a et yo rivé sous frontière et yo grand pile observateur qui dit que qui jan que immigration représentait un gros point dans campagne électorale ça nous capable ancien président Joe Biden qui tape marché là connait c'est président et Joe Biden nous sommes ancien président Donald Trump connait nous Joe Biden yo tous les deux sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là son signe qui dit qui jan que c'est un élément qui est très important dans la politique américaine et ça a tout semblé avec un face-à-face qui pourrait gagner le 5 novembre, qui c'est élection présidentielle ici aux États-Unis. Et bien, côté que gain possibilité pour deux mouns, deux personnalités, deux politiciens, rencontrer dans l'autre face-à-face. On a parlé de ancien président républicain Donald Trump avec président démocrate actuel là en parlant de Joe Biden. Et puis dans actualité dans région Moyen-Orient, un ben force israélienne lancé attaque jeudi à côté yo touyé 104 moun et blessé 280 l'autre dans ville Gaza. Plus précisément dans nord Gaza, toutes victimes yo c'est résidents qui t'a collecté aide humanitaire. Yon reportage Serge Rodriguez. Secouristes dans Gaza ont couru avec plusieurs blessés dans l'hôpital Kamal Adwan, région Jabila, jeudi. Résidents ayant dit force israélienne était ciblé dans le moment où ils ont collecté assistance humanitaire. Freyoun nan victime yo qui pas de bay non li, dit un pile chrétien vivant était débarqué dans zone rond-point na boule civile Gaza pour aller chercher aide l'incident s'il a été arrivé. Monsieur dit la situation a été créée un déblosage qui ne ressemble à la réalité. Si c'est comme ça pour nous jouer une assistance, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas voulu vivre dans le temps sans petit nous. Si petit nous doit mourir ou bien victime comme de retour pour assistance, ça, nous n'avons pas besoin de ça. D'après responsable de la santé palestinien, l'État juif a été ouvert coup de zame sur le monde qui a pris tant d'assistance humanitaire jeudi. Tout près ville Gaza, côté autour de 104 personnes et blessé 280 autres. Il y a un responsable de l'hôpital qui dit qu'il a recensé 10 cadavres, mais il y a plusieurs douzaines blessés. Sur le palier, porte-parole gouvernement israélien Avi Emandi. D'après ce que je comprends, c'est une situation qui a évolué. Mon dépôté bourré sous véhicule qui a transporté aide humanitaire, il y a une façon pour faire pillage sous camion. Pendant ce temps, le commissaire des Nations Unies pour les droits humains, Volker Turk, a abordé la question en tout. La guerre doit finir. Toute partie concernée a violé clairement le droit international sur les droits humains et il y a une possibilité pour commettre crime la guerre. L'île est le temps pour la paix blaire dans la zone. L'île est pour ouvrir une enquête sur le monde qui est responsable. Pour ce qu'a fait yo. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et puis, gagnant toujours dans l'actualité internationale, là, jodi a gagnant président russe Vladimir Poutine qui fait un gros discours fleuve, côté que menacé si l'Occident voyait troupes et al combat en Ukraine, et bien ça a débouché sur une guerre nucléaire. Déjà, gagnant pile réaction qui sortit à travers le monde, plus précisément dans l'Occident. Et puis, après tout, dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, plusieurs structures sociopolitiques lancent appel, mobilisation sur tout le pays à partir de dimanche 3 mars Capvinla pour supporter l'Église catholique et pour continuer à exiger démission Premier ministre Ariel Henry. Détail avec Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Collectif Parti Signataire Accord Montana et Challenger Populaire mettez tête yo ensemble pour lancer une mobilisation générale à travers le pays d'Haïti à partir dimanche 3 mars 2024, non seulement pour continuer réclamer démission Premier ministre Ariel Henry dans tête primature là, mais tout pour porter solidarité yo by l'Église catholique yo dit cap subi persécution
en bas mais inconnu d'après Pietro Challenger Régional Dumé. Nous demandons au cas de lever campé. Au cas de lever campé. Nous demandons Mimala lever campé. Jérémy Tigouave, Jéry, Jacques Mel lever campé. Wanamet, Jérémy, c'est pour Konaïf, c'est pour ce Makakaya lever campé. Port-au-Prince, la guerre sur là. Eh bien, non, moment on a parlé là, c'est pour tout pays à fermer. Fermer pour aller retourner tes côtés de l'État parce que nous ne sommes pas d'accord c'est qu'elle a retourné la caille nous encore. Nous ne sommes pas d'accord, la mort retourne la caille nous encore. Ariel Henry, vous mettez tes côtés là, peuple haïtien, pour responsabilité nous. Et pendant que nous responsabilité nous, dimanche, nous tous militants, à travers tous 10 départements, faut que toute l'église catholique organise une marche ça. Faut que tous militants, faut que paysans, faut que la police, faut que tout le monde qui est haïtien, pour la rue, pour nous dire solidarité avec Monseigneur Dumas. Solidarité à propre tête nous, solidarité pour nous sauvegarder Sandé comme souveraineté, solidarité pour nous sauvegarder liberté nous, pour nous sauvegarder indépendance nous, Haïti pas pays. Bon côté parle, ancien candidat malheureux pour poste premier ministre dans l'élection Montana, Iswick Théophin, qui c'est tout leader collectif parti politique signaté à Montana, fait qu'on a situation sociopolitique et économique pays d'Haïti, trop malouk. Il a fait tout ça possible pour retirer Ariel Henry dans tête pour Mathieu. Il faut que nous passions de la parole aux actes. Je dis à parler pour nous, non, à plaindre, à crier. Il faut que nous marchions sur l'adversaire. Il faut que nous affrontions l'adversaire. Il faut que nous arrêtions Ariel Henry. Et ensemble des équipes sanguinaires, esclaves obéissants qui accompagnent Lio. Pendant ce temps, le Premier ministre Ariel Henry a multiplié contacts ak employé stratégie appropriée pour déploiement mission multinationale soutien à sécurité en Haïti dans intention pour rétablir sécurité dans pays pour capable faire révision constitution ak pour organiser élection générale en dans pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Dernier contact nous prenons avec Port-au-Prince fait connaître que tension a toujours été tendue dans la capitale la Port-au-Prince côté qu'un pile coup de zame cap tiré et police nationale a essayé prendre contrôle mais qu'un pile et institution publique qui y ont même victime en bas attaque gang et gagné monsieur Jimmy Cherizier qui était prêt la parole qui dit que il prend responsabilité pour tout ça qui a passé jodi a dans capital là. Et puis, mois de février, c'était moi, histoire noire, ici, aux États-Unis, et communauté haïtienne dans Chicago, yo même tout, yo marqué moi ça. Nous pourrons rejoindre Obed Lamy depuis Chicago. Samedi 17 février, communauté haïtienne dans Chicago t'est rassemblée pour célébrer moi, histoire noire, en façon spéciale. C'était une soirée histoire qui ont été rassemblée avec tradition tirée contre la nuit en Haïti. C'est organisation haïtienne, ensemble avec réseau professionnel haïtien américain, qui te mette tête ensemble pour créer activité ça. I have been wanting to do something that provides us with. On a toujours envie d'organiser un programme qui pouvait haïtien espace pour partager histoire. Like on pense histoire nous important en pile et lié en pile valeur. Mais nous pas toujours gain possibilité pour nous rassembler pour nous parler sur expérience nous comme haïtien américain. Qui donc pour moi histoire noire c'était une bonne occasion pour nous réfléchir sur qui sens histoire noire gagne pour nous-mêmes comme haïtien américain. Plusieurs monde défilé pendant toute soirée pour raconter toute qualité histoire. Histoire sous voyage aux États-Unis, sous expérience dans l'école, dans le travail, dans apprendre anglais. Gen histoire qui fait rire, gen l'autre tout qui fait réfléchir sur tout effort haïtien fait pour joindre place dans la société américaine. I think this evening was wonderful. Parce que nous vraiment passé une belle soirée et en pile monde t'est participé. Dans commencement, t'es gen quelques monde qui t'est accepté venir raconter histoire et ça t'est fait rester le clan motivé et réaliser yo même tout gen histoire pa yo. En gros, en pile belle histoire t'est partagé pendant toute soirée. Participants yo pas de cacher contentement yo tout sous Jean programme t'est déroulé. En plus raconter histoire soirée en tout, c'était une belle occasion pour te reconnecter une à l'autre. Un bagage qui pas fait souvent à cause du travail qui kembe moun nan pays ici occupé en pile. Je suis content que me tande expérience et yo fait me rappeler de expérience parmi yo comme haïtienne qui pas né en Haïti but moi t'ai élevé dans kay qui était que tout le monde t'ai parlé français créole. So je souhaitais que n'a continuer avec programme ça yo.
et puis plus monde pour ta venir pour yo ta supporter nous. Soirée histoire ça c'était toute son première fois. Et même Jacques participant yo, organisateur yo tout senti nécessité pour continuer créer qualité programme comme ça pour communauté. I see the Haitian community in Chicago as coming together. Moi senti communauté haïtienne en Chicago gran pile engouement pour réunir et puis brasser l'idée une à l'autre. Et pour moi-même, en plus balle avec activité ramasser l'argent qui fait plus souvent, un événement comme ça c'est une bonne occasion pour nous venir discuter sur expérience. Obed Lamy, pour VOA Créole depuis Chicago. Merci Obed Lamy et c'est là tout que n'a metté fin dans programme et puis gros point cap dominé actualité a c'est tension qui gagne toujours gagne dans capitale la Port-au-Prince côté gagne plusieurs compagnies aériennes qui annulé vol qui t'a sorti qui t'a entré sorti aux États-Unis ou bien qui t'a pral aux États-Unis et puis voyage local yo ça les voyages domestiques yo même tout yo campé et puis l'autre là c'est annonce que Premier ministre Ariel Henry fait pour dire que d'ici 31 août 2025 a gain élection dans pays. Nous pratiquement arrivé dans fin programme non. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Pas oublier rester sous toute plateforme VOA Créole pour nous capable gain dernière nouvelle cap sorti dans pays d'Haïti et à l'étranger. Moi c'est Jacqueline Bélizère et moi merci Jean-Marc Hervé Abelard et Gentil Augustin Junior semblé zanmi nous, a good very good friend et Franklin. Merci pour attention nous. Donc rendez-vous demain pour une autre édition. Rendez-vous info.